l'a juste reconditionné après restauré, non, on n'a rien fait de particulier dessus, uniquement fabriquer un châssis, le sortir d'abord, le mettre en pièce détachée, le fabriquer ce châssis, le faire calculer, concevoir un système de transport pour aller à différents endroits, voilà, parce que ça c'était le premier dilemme, quoi. C'est bien joli un moteur de 38 tonnes, mais pouvoir le véhiculer, si on veut le montrer à des gens, c'est comme ici, donc il fallait trouver le système. Le système, il est là. Un châssis avec un mécano, avec des béquilles démontables et un système hydraulique sans grue de levage, il n'y a aucune grue de levage, uniquement de la manutention pour déplacer des béquilles qui pèsent 300 ou 400 kg et un turbo qui pèse 1 tonne 7. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à enlever, mais avec une grue auxiliaire, avec n'importe quel un petit élévateur, on peut faire, c'est de l'élémentaire. Et après, un convoi exceptionnel numéro 2 et c'est parti. Il va partout en France ou ailleurs. C'est le gicleur là, le truc noir, hein? C'est le gicleur là. Ah ouais. Et tu démarres à la manivelle? C'est ce que c'est, moi en plus du salon, j'ai pas fait plus de 10 mètres autour de mon stand, tu vois. Alors qu'il y a des trucs quand même extraordinaires, paraît-il. Tu les verras sur internet. Avec plaisir, ouais, j'espère. Parce que... Je me dois combien? Elle est mignonne, elle est sympa.
d'achat qui ont été faits à Bugatti. Parce qu'après, on a Bugatti, il était en Bugatti, ça va la deuxième guerre mondiale. Il voulait récupérer son droit. Il voulait l'appliquer, on l'a acheté.